Hello les filles, bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui, puisque si vous avez regardé, bon alors mon chat, la fin du vlog d'hier, vous savez où est-ce que je suis. On attend avec Loulou, papa qui est en train d'aller chercher les clés de la future maison. C'est bon, on a les clés de la maison aujourd'hui, la signature s'est faite jeudi, mais on était déjà en route pour la Belgique, donc les clés sont à l'agence et on va les récupérer, là, de suite, on est en train de les récupérer, et on file à la maison tout de suite, après. Ça va être cool. Journée qui va être chargée parce que il y a eu pas mal de commandes de passer ce week-end quand j'étais pas là, pas mal de choses à faire là, donc vraiment contente. Eh bien, nous voilà arrivés à la maison, mais juste avant de faire le tour et tout ça, on va parler du sponsor du jour. Pour l'instant, la maison est totalement vide, ce qui explique que ça va vraiment pas mal résonner, donc vous m'en excuserez. Et le sponsor du jour est donc Timu. Qu'est-ce que c'est Timu? Timu, c'est un site, une application de vente de tellement de choses différentes, d'articles de cuisine, de ménage, de literie, de décoration, de vraiment, vraiment, vraiment plein de choses, de plein de merveilles, et ce, à tout petit prix. Et donc, ils m'ont contacté pour une collaboration. Et donc, vous vous doutez bien qu'avec la maison qui est arrivée, et ben, j'ai trouvé que c'était une super idée parce qu'ils proposaient plein de trucs et tellement dans les moodboards que j'avais fait. Là, pour le coup, pour la sélection d'aujourd'hui, quand même pas mal de choses pour la cuisine, mais aussi un petit peu d'autres choses, donc je vais vous faire le haul tout de suite. Voilà donc pour ce que j'ai pu recevoir, je vous montre ça en détail. Promis, je ne vais pas vous torturer plus longtemps, après on va vite aller voir la maison, mais donc j'ai principalement pris des choses pour la cuisine, puisque c'est des choses que je galère beaucoup à trouver en magasin, et la cuisine, ça allait être un des premiers endroits que j'allais pouvoir aménager, et vraiment un endroit où je vais m'éclater, donc... On commence par un bac à glaçons, je sais pas si c'est bac à glaçons là, vous les avez vus sur les réseaux, mais on les a énormément vus, ça a l'air trop cool, donc j'en ai pris un. Un repose-tasse, ça sera certainement au niveau de mon bureau arc-en-ciel, j'aime beaucoup trop. Ici c'est pas un porte-pièce ni un moule, je sais pas trop, c'est pour faire les empanadas, vous savez on a fait une recette il y a pas longtemps en vlog. Vous mettez la pâte brisée, à l'intérieur c'est pour ça, pour les petites tailles ça va être génial, vous mettez votre viande, tout ce que vous voulez mettre. Vous refermez, ça scelle et vous l'enlevez. Des ustensiles, ça vous le savez, j'en ai cherché et encore cherché. Ici j'ai trouvé une petite pince, soit pour les salades, soit pour les pâtes, toutes dorées. Et alors pour le kit, vous l'avez entrevu, j'ai choisi du beige. Je me suis dit que c'est ce qui allait faire super cool, si ça ne tombe pas. J'ai pris le kit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12 pièces et il y a vraiment de tout, de la pince au fouet, aux spatules, à la louche, au truc pour appliquer l'huile, vraiment plein de choses, des choses pour les spaghettis et tout, et ça me manquait cruellement, ou ce qu'on avait était plutôt en mauvais état. La couleur, je la trouve vraiment belle, pourquoi j'ai choisi beige, tout ça, ça va être, alors pas ça, peut-être pas le noir, mais le gris que vous voyez sur le côté, ça va être repeint, donc ça va être du blanc. Et donc les ustensiles de cuisine, je les voudrais, les ustensiles, les appareils électroménagers, je les voudrais beige. C'est pour ça que j'ai choisi beige. Ensuite, un kit de 3 contenants, comme ça, de différentes tailles, avec en fait un bouchon de liège par-dessus. Vous voyez, c'est le même système que les bocaux qu'on a à la maison, mais différent, pour mettre soit des noix, des petites graines, des choses comme ça. Donc j'ai également pris un kit de poche à deux, parce qu'à chaque fois qu'on fait des recettes, ça c'est cruellement la chose qui me manque. Un petit plateau, là je vais juste avoir les anses à monter, mais comme on va avoir un nouveau canapé, là maintenant ça sera question de plateau pour mettre même sur la petite table les verres, tout ça, pour pas que ça puisse faire trop de traces. Ensuite, niveau tupperware, je vous ai dit, comme j'allais reprendre les meal prep, j'en ai pris un en verre, parce qu'on le sait c'est beaucoup mieux, et avec des compartiments, comme ça je pourrais mettre les différentes choses. Vous le savez, quand je mange des légumes, j'aime bien que ça soit séparé, donc au moins je pourrais mettre viande, féculents, légumes. Toujours dans les ustensiles de cuisine, j'ai pris un fouet, mais cette fois-ci tout petit, vous savez, pour faire mes pancakes le matin, parce que dans les petits bols, un grand fouet, bah, c'est pas possible, c'est pour ça que je fais à la fourchette, mais il y a plein de mots. Donc j'ai pris le petit format. Ça, c'était également vendu avec les ustensiles. Vous savez, c'est quand on fait la cuisine, pour pouvoir poser les ustensiles comme ça et pas que ça goûte sur le plan de travail. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, toujours dans la cuisine, un mini moule en silicone comme ça à texte. Et quand je fais mes portions de cake protéiné ou choses comme ça, mais que pour une personne, bah, j'avais pas de choses qui puissent aller au four. Donc ça, c'est parfait. J'ai repris un kit de 3 petits chinois, comme ça, parce que les nœuds étaient complètement morts. Une passoire qui, cette fois-ci,
ce pli parce que ça sera beaucoup, beaucoup plus pratique. Hop, à ranger dans les tiroirs. Toujours dans la catégorie moule, j'ai pris pour faire toujours les recettes Elsie un moule à mini donuts. Comme ça, on pourra tester les donuts sans huile. Et alors ça, je trouvais ça trop bien. C'est un truc qui se met au niveau du robinet. On va l'installer après pour pouvoir mettre tout ce qui est pousse-mousse, éponge, tout ça, pour pas que ça puisse salir encore une fois. Pour le frigo, juste derrière Calumet, comme ça on va pouvoir l'installer vite. J'ai pris, vous savez, les fonds de frigo ou les fonds de placard pour avoir que ça à retirer quand on a besoin de nettoyer et pas nettoyer à chaque fois le fond du frigo. Pour la cuisine, on finit. Il reste deux petites choses. Ces petits crochets qui sont des choses qui se mettent à l'intérieur de l'évier pour justement coincer l'éponge. Encore une fois, c'est des petits gadgets mais qui permettent de rendre le tout un peu plus pratique. Et alors ça, il faut que je regarde comment ça s'utilise. Je ne sais plus, mais je trouvais ça génial. C'est une question de pliage. C'est un... Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ben non, ça pour le coup, c'était un autre truc que j'avais pas pris. C'est juste... Ah mais si, je l'ai pris, je m'en rappelle en plus. C'est un tablier, je pensais avoir pris un... Vous savez, les sacs, un petit peu comme les papiers cadeaux qui se réutilisent et qui se plient. Il y avait des sacs à lunch comme ça. Mais là, pour le coup, c'est un tablier. J'en ai juste repris un. Parce que j'en avais plus à la maison, donc ça pour cuisiner, ça sera bien. Pour la cuisine, on en a fini. J'avais pris pour les toilettes, comme je l'ai dit, il y a une énorme section ménage. Brosse à toilette en silicone. J'ai jamais testé, je verrai ce que ça donne. J'ai eu vos retours qui sont plutôt mitigés, donc on verra. Et en miroir, j'avais pris pour de la déco. Là, il y a le film par-dessus, mais ça fait un vrai miroir comme ça à coller avec des petits autocollants, vous savez, tout ce qui est 3M et tout. Et pour les... pour les... J'en ai trouvé des vraiment vraiment belles. Je crois que j'en ai pris soit pour le salon, soit pour la chambre, on va voir. Donc si vous avez les mood boards que j'ai fait dans un coin de votre tête, vous arriverez à reconnaître assez facilement. Bon, mon petit monstre vient de partir avec papa déposer les clés au peintre pour que ça puisse commencer au plus tôt. Alors, c'est celle de la chambre que j'avais prise sur le site, qui sont assez grandes. Et j'adore parce que ce sont vraiment des affiches tissées. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Si, je pense que vous verrez bien. Et donc, c'est trois affiches pour aller au-dessus du lit. La première, comme ceci. La seconde, comme cela. Et la dernière, qui seront donc très probablement dans des cadres noirs au-dessus du lit, et ça sera un mur olive, vous savez, le kaki un petit peu que vous avez vu. Voilà donc pour le ultime. Et si j'allais oublier, il y a encore deux petites choses. Hop, ce livre transparent déco, un livre sur les fleurs, c'est fait pour mettre un petit peu d'eau et une rose ou des fleurs dedans rangées sur une étagère ou posées sur la table. J'adore cette déco, je l'ai vu je ne sais combien de fois sur Pinterest. Et ici, un petit bras du réveil que j'ai pris blanc pour aller sur mon bureau pour ne pas avoir besoin de regarder l'heure sur mon portable et de le voir directement. Donc ça, on l'installera un petit peu plus tard. J'espère en tout cas que ce haul aura pu vous donner une idée de ce que vous pourrez trouver sur le site. Bien évidemment, c'est qu'une toute petite partie. Il y a énormément d'autres choses, donc je vous conseille d'aller voir directement sur le site. Le lien est en barre d'infos. Et j'en profite pour vous communiquer un code promo bien cool qui fait toujours plaisir. Donc je sais qu'on est pas mal à être en emménagement, en déménagement un petit peu toutes ces périodes-là, ou si tout simplement vous voulez refaire de la déco, trouver des nouveaux trucs, eh bien c'est le lieu pour ça. Et il n'est pas exclu que je repasse une commande pour de la déco si je trouve pas spécialement les choses en magasin et tout, parce qu'il y a tellement de références sur le site que c'est très pratique. Sur ce, on fait un tour de la maison. Donc nous avons ici le salon. Alors, que je vous explique un petit peu. Ici, porte d'entrée, couloir de la porte d'entrée, touc, on se tourne. Ça donne sur, ici, lui, il avait mis donc la salle à manger et le salon était là. Vous m'avez dit que c'était plus logique de faire l'inverse étant donné que la cuisine est juste là. Et c'est vrai que je trouve ça plutôt logique finalement de faire l'inverse. Donc on verra, mais c'est soit on met effectivement la télé là, avec le canapé qui viendrait comme ça et qui se fermerait là pour vraiment fermer le coin salon. Et ici derrière, le coin salle à manger.
ça, ça serait plutôt pas mal. C'est donc la table là qu'il a laissée. Je vous ai parlé de la table basse. Vous voyez, elle a pas mal, je sais pas si vous verrez, pas mal d'accros par-ci par-là, mais elle reste quand même en bon état. Donc au pire, on la retapera juste en redonnant des petits coups. Dans un premier temps, ça ira totalement. Donc ça, ici, tout sera repeint en blanc. J'aime vraiment pas cette séparation. En plus, enfin vraiment, j'ai un problème avec le gris. Moi, j'aime vraiment pas. Et donc, c'est très probablement ce mur-là qui sera vert tilleul dans la perception qu'on en a. Donc ça ferait vraiment, tout blanc. Et là, pack vert tilleul. Ici, on a un placard miroir. Ça, c'est génial, ça donne de l'espace, où on fera certainement notre bibliothèque. Pour l'instant, ça ne remplira pas tout, mais au moins, on pourra ranger des choses, même les papiers ou autre, ça sera hyper pratique. Ce meuble qu'on va avoir pour repeindre, puisque c'est un meuble qui a été fait sur mesure pour combler un petit peu le côté de l'escalier. Ce sont juste des rangements, hein, des petites... Ah, bah, ça se fait de l'autre côté. Des petites étagères, comme ça. Lui avait mis les bouteilles, donc c'est plutôt pas mal. Là, on pourrait aussi y faire la bibliothèque. C'est même peut-être mieux, à mon avis, là, et l'autre, les papiers. Sauf que, bon, ce verre anis, là, je suis pas fan, mais c'est une matière qui va mal se repeindre, donc les peintres, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Ensuite, chambre, toilette, bureau. Donc, chambre parentale, juste ici. Tac, tac, tac. Le petit dressing. Tac, tac, tac. Donc, Benoît aura enfin son dressing. Ça va être très grand par rapport à ce qu'il a en vêtements pour le moment. Mais au moins, il aura son espace. Et ici, notre salle de bain. Hop, la douche, juste ici. Et là, donc, je vous disais qu'on mettra un meuble. Il y a même de l'espace pour mettre un meuble là. Mais donc ici, il y a vraiment tout à refaire. Le miroir à changer, un meuble à poser. Donc on a quand même pas mal de petites choses. Je vais pas faire tout l'état des lieux. Je vais pas faire tout l'état des lieux des travaux, parce que là je vous expliquais les peintures et tout pour le salon. Si je fais ça pour toute la maison, ça va peut-être être un peu long. Par contre, moi, je vais me faire une to-do list avant de repartir, de vraiment tous les trucs qu'il y a à faire qui pour l'instant me viennent. Comme ça, je vais pouvoir commencer à checker dans les magasins. Ici, les toilettes. Donc vous l'aurez compris, je vais pas vous dire à chaque fois que toutes les peintures vont être faites. Pareil, on va voir avec eux ce qui est possible pour les carreaux, comme ça. Donc hop, juste ici, ce que j'adore, hein, c'est bête, mais toutes les toilettes, on en a deux, sont suspendues. Donc pour le ménage, ça c'est génial, franchement je trouve ça dégueulasse, ça fait des marques horribles, les toilettes qui sont au sol. Et donc ça, ta-da-da-da, ça va être, ouh, bah le volet c'est l'ouvert. Je disais, ça va être mon bureau. Donc là, il nous a laissé un clic-clac parce que sinon il allait s'en débarrasser. Comme pour la chambre d'amis, on n'a pas encore de lit. Je me suis dit que si des gens voulaient dormir assez tôt dedans, même pour nous aider, si ma soeur vient, ou bref, je sais pas, qui sais-je, eh bien, il y aura au moins un truc pour dormir. Donc voici mon bureau. Il y a des placards vraiment dans toutes les pièces. Donc moi, je verrai comment je ferai pour m'en servir, pour que ça me serve pour le bureau, mais même pour les papiers et tout. Ça va vraiment être pas mal pratique du tout. Et donc, tout va être peint en blanc. Sauf que c'est ce que je vous disais. Je pense, en fait, de base, je m'étais dit, je mets le bureau dans ce sens-là. Sauf que non, je pense que je vais mettre le bureau dans le sens où est le canapé, face à moi, et dos à ce mur-là, qui du coup va être le mur rose meringue, là. Je pense que ça va être ça. Voilà pour ici. Ensuite, touk touk touk, ça c'est une porte qu'on va condamner, puisque ça donne derrière la cuisine. Et la cuisine, enfin vous voyez maintenant, touk touk touk, c'est les meubles. Ici, donc on va la condamner pour que ça fasse un mur plein. Oh, je vous montre la cuisine maintenant. Alors, vous l'avez déjà vu, toc 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 toc, trop belle. Ici encore un autre meuble. Et franchement, attendez, je vais vous poser. Est-ce que je dois vous dire à quel point je suis heureuse et je vais revivre d'avoir tous ces rangements? Un petit truc pour mettre les balais. Ici, hop. C'est merveilleux pour tous les gâteaux, même les choses que je vais pouvoir faire, les réserves, l'épicerie en fait. Ici, ta-da-da-da, frigo. En dessous, congèle. Tac. Ici, encore des rangements. Ça, c'était l'ancienne version. Ça, c'est la nouvelle. L'ancienne version, c'était avec des trucs en ferraille. Donc, je vais mettre des trucs un peu comme... Il va y avoir, je trouve pas, mais moi, je dis des trucs, vous m'excuserez, c'est la fatigue. Des...
le micro-ondes, on a le four, en dessous encore des rangements, au-dessus encore des rangements, ici, je sais pas si vous voyez encore des rangements, il va falloir qu'on repeigne aussi le fond. Je vous reprends pour là. Ici, toc toc toc, j'adore, cette chose me fait rêver, c'est sublime. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que je vais pouvoir ranger comparé à la cuisine actuelle? C'est juste un truc de malade. Et pour le coup, j'adore le plan de travail comme ça. Je trouve ça hyper beau. Ça, hop, ah oui. Donc il y a beaucoup de choses encore qui sont en... comme ça, parce que ça se faisait comme ça avant. Donc pareil, je mettrai des choses pour combler pour pas que ça puisse tomber. Ici, mettre les planches à découper ou plein de trucs comme ça. Là... c'est le dessous de l'évier avec le fameux truc jaune qui est atterri dans le sous-sol comme ça. Ici, le lave-vaisselle, qu'est-ce que ça va nous faire zizir de retrouver un lave-vaisselle. Là, de quoi mettre les couverts. En dessous, bah, si on fait comme là, peut-être les assiettes, tout ça. Ou les tasses, ou les machins. En tout cas, je ne manquerai pas de rangement. Et franchement, ce mur-là, je trouve ça tellement beau. Donc c'est ici qu'il avait mis une première tige, vous voyez là qu'on a Ikea pour faire pendre les ustensiles ou les choses. Et ici, il y en avait une deuxième. Donc ça, on ira en rechercher. Les trous sont déjà faits, donc c'est parfait. On ira juste chercher des dorés ou peut-être plus des noirs. Les noirs, ça sera un peu plus cohérent. Donc pour en bas, c'est bon. Entrée, on a un placard. On a des escaliers pour aller au sous-sol. Une fois qu'on monte les escaliers en béton ciré qui n'ont plus le bruit du bois qui craque. Ça fait vraiment bizarre de me dire que dans 3 semaines, on sera là. Hop, je pense que quand les peintures seront faites et tout, déjà, ça va nous faire pas mal de bien. Ici, la salle de bain qui a, comme vous avez dit, pas mal de travail. Déjà, ce bordeaux-là, le vert au fond, c'est assez terrible. Il y a et la grande douche et la baignoire en coin. Donc ça, c'est top. Donc vous voyez, il y a toute la peinture à refaire. Vraiment partout. Pareil, je prendrai des meubles parce que là, il y a vraiment... de quoi ranger. Et pour le coup, ici le meuble est vraiment, oula, pas mal du tout. Donc ici c'est très bien. Et pareil, le miroir est grand, je changerai juste la clique. Toutes ces choses là vous voyez, c'est des petites choses, donc qu'on fera vraiment des fois, pardon, je vous le montrerai pas dans un second temps, c'est pas les plus grosses choses, mais dans les finitions on ira bien évidemment jusque ça. Mine de rien, on en a pour longtemps, hein. Pour la maison, parce que pour aller... Ouh, attendez, je ne trouve pas être dévoilée. Pour aller jusque dans les moindres détails, c'est pas là, faut que je trouve des trucs dévoilés. C'est là. Je disais, pour aller jusque dans les moindres détails, et ben, on va mettre de nombreux mois à faire toute la maison, mais c'est génial, hein. Au moins, il y aura du contenu hyper intéressant tout le long, et moi, j'adore ça. Hop, la chambre d'Eden juste ici, pardon, vous voyez, elle est pas mal grande. Celle-ci, ça va être trop bien, je vais pouvoir faire un truc beaucoup trop cool. Bon, pour ma grande déception, le sol, c'est du nouveau du parquet jaune. Ce qui m'agace, puisque ça va être pareil dans le local. Les toilettes ici, c'est artistique, hein, ce qu'il y avait. Vraiment hâte pour les peintures. Ici, ça sera... attendez, je lève en même temps. La chambre d'amis, c'est la plus petite. En même temps, ils ont tous des placards, hein. Mais la plus petite, donc il y aura juste ce mur-là qui sera de couleur, tout le reste en blanc. Et il y aura juste le lit ici. Tout le local qui va être la chambre, enfin qui est la chambre la plus grande. Parce que bien évidemment, j'ai besoin quand même de pas mal de stockage. Donc là, par contre, il va vite falloir que je réfléchisse. Donc toc toc toc, de l'autre côté, le placard. Donc je disais, il va vite falloir que je réfléchisse à comment j'aménage ça. Je vous explique, on repeint tout en blanc. Mais dans cette pièce, il va y avoir à la fois mon stock pour ma boutique, donc actuellement tout ce qui est dans le garage, et j'avais prévu également le coin shoot. Sauf que je me rends compte que ça va pas être possible parce que, en fait, je suis sûre que là mon stock il va prendre toute la place, ou du moins pas m'en laisser assez pour avoir assez de profondeur pour shooter. On va forcément voir les vêtements. Donc je me dis que je vais peut-être quand même continuer de shooter dans le dressing, ça m'embête par contre. Il va falloir que je réfléchisse, mais j'ai envie d'être à l'aise dans le local. Et puis non, parce que même en installant le bureau où je fais les commandes, je vais jamais avoir la place, parce que je me dis que ce serait bien de mettre tous les portants, vous voyez, comme ça, tac 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 tac, comme ça je vais pouvoir en rajouter.
et mon bureau peut-être ici ou ici pour rattraper les fringues, c'est peut-être plus logique. Faire un petit truc sympa pour que je puisse poser le portable. Waouh, ça on va galérer. Enfin, c'est les fringues qui vont s'en occuper. Pour poser le portable pour les lives, tout ça. Mais non, ça paraît trop ambitieux parce que vous voyez mon dressing actuel, il faut vachement de recul pour prendre les photos pour la boutique. Donc là, déjà ici, si je fais. En fait, il faut juste que je réfléchisse à ça parce que là, il faut que je leur dise laquelle pièce je veux absolument en premier parce que j'aimerais bien, comme je vous disais, faire le shoot d'août ici. Donc dans moins d'une semaine. Il va falloir réfléchir vite. Et donc ma dernière chambre, c'est juste ici. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Oi, oi, oi. On ne l'avait pas vu ce truc-là. Ou alors on l'avait vu, on n'avait pas fait attention parce qu'il y avait un lit. C'est quoi? C'était pour faire la tête de lit? On en oublie des choses, hein. Pourtant, on est venu juste avant. Mais je sais pas. Je crois que c'est des trucs posés par terre. Bah, tout ça, ça va sauter, hein, de toute façon. Et donc ici, c'est censé être mon dressing. Et alors, j'aurai encore plus de rangement que là parce que laissez tomber, il y a trois grands placards. En même temps, pour tous les draps et tout, ça va être bien. Mais du coup, si c'est le dressing... Attendez, j'ai réfléchi. Du coup, si c'est le dressing, c'est jouable. Hein. En fait, c'est là où c'est le plus jouable de faire l'espace shoot ici. Et je suis en train de réfléchir, attendez. Parce qu'en fait, la seule raison pour laquelle on a mis Eden dans la chambre là-bas, c'est parce qu'actuellement, c'est la chambre la plus près de l'escalier. Mais était-ce le choix le plus judicieux? Il va falloir que je me manie à réfléchir à tout ça. Je vous laisse, je réfléchis. Parce que je vous explique. Le but, vous l'aurez compris, c'est que moi je vais travailler encore un moment à la maison avant d'avoir un local à part. Et c'est de vraiment séparer le pro et le perso. Et donc en ayant deux pièces dédiées, le local et mon bureau en bas, j'ai pas envie que le pro vienne encore dans une autre pièce. Et même si c'est juste pour shooter, parce qu'il y a les vêtements qui vont traîner et tout ça, et je ne veux pas. Donc je suis un peu me demander si je ne prendrais pas ici. Parce qu'en fait, c'est pas du tout celle-là, la chambre la plus grande, c'est vraiment celle-ci, en tout cas vu comment elle est tournée. Et je me dis que si je mettais les portants au fond, le bureau, je peux le caler là. Et bien j'aurais la place ici pour mettre un grand miroir. Attendez. En tout cas, il faut que je vois comment je mets, mais là, ce qui me semble le plus judicieux, c'est cette pièce-ci, à mes niveaux de la luminosité. Parce que ça vient juste en face. En fait, il faudrait idéalement... Bon, en fait, non, je vais me remuer le cerveau, hein, parce que je vois pas trop comment je vais me débrouiller. Mais l'idéal, en tout cas pour le point photo, ça aurait été le grand miroir là-bas, et le point photo là, parce que je vais être en pleine lumière. Mais là, pour le stock... En allant déposer vos colis du week-end, j'ai réceptionné un autre colis qui est le colis d'une nouvelle créatrice qui va débarquer sur le concept store. Et concernant la maison, juste du coup c'est décidé, la grande chambre qui devait être celle d'Eden sera le local, chambre d'amis reste chambre d'amis. Ce qui devait être le dressing devient la chambre d'Eden et ce qui devait être le local devient le dressing. Voilà, donc pour ce colis, je vous montre les nouveautés. Ici, une petite pochette en gaze de coton et hop, transparente sur le devant pour mettre dans vos sacs à main, dans vos sacs de plage, trousse de beauté, trousse pour la crème solaire, toutes les petites choses que vous voulez voir comme ça, je la trouve hyper canon. Ensuite, toujours les petites pochettes, des petites pochettes comme ceci cette fois-ci, carrées, floquées avec mon mantra Positive Mind, Positive Life, en coton. Fermeture, pareil, ça vous pouvez y ranger du coup vos serviettes hygiéniques, tampons, nécessaires de beauté, plein de choses dans votre sac de plage, sac à main, sac de cours, ça passe réellement partout. Ensuite, gros coup de cœur pour les pochettes d'ordinateur en gaz de coton blanc et doré avec les coutures également dorées. Fermeture éclair, celle-ci
dorée également. Donc c'est 15,6 pouces maximum, c'est les mêmes dimensions que l'autre qui est présente sur ma boutique, donc pas pour les énormes ordi. Par exemple celui de Benoît qui est un PC de gamer Asus, là ça rentre vraiment pas dedans. Mais moi les petits MacBook, les petits, pas les petits, les normaux là, les MacBook, moi j'ai un MacBook Pro, j'ai pas la grande version, c'est 15,6 pouces maximum de toute façon. Il y a les dimensions sur le site, ça rentre parfaitement et je la trouve mais tellement, tellement canon. Et dernier article qui sera dans la catégorie enfant bébé, ce sont des petits cubes d'éveil que je trouve mais tellement beaux, donc vendus avec leur petite pochette comme ça. Et j'ai choisi un coloris qui se veut mixte, donc il y a plusieurs textures et plusieurs coloris. Donc vous voyez, j'ai essayé de prendre quelque chose quand même qui se voulait mixte, parce que même pour les cadeaux de naissance, si vous savez pas le sexe, et ben je trouve que c'est assez intéressant. Vous voyez, il y a un tissu éponge, ici des petites fleurs, là pareil, là un petit molletonné qui est la même matière d'ailleurs que les gants démaquillants sur ma boutique, ici un petit nid d'abeille, franchement canon à offrir comme ça. Dans la petite pochette, je trouve que c'est un super cadeau. Ou même, je sais qu'Hélène n'en aurait pas déjà, je le garderai parce que je les trouve trop bien au niveau de la texture. Pareil, ils sont pas trop grands parce que souvent les grands cubes d'éveil, bah, c'est grand par définition. Et là, c'est assez facile à attraper assez tôt dans les mains. Et moi, j'ai vu ça avec les... C'était des petits coussins que j'avais acheté à Hélène. Et bah, les différentes textures, les différentes couleurs, c'est génial pour les stimuler. Donc tout ça sera à retrouver sur la boutique le vendredi 4 août. Je ne sais pas si ça sera déjà passé quand ce vlog sortira. Mais vendredi 4 août à 20h, il y aura ça dans la nouvelle co-créateur avec, ça vous le verrez par contre après que le vlog soit sorti, le réassort et les nouveautés Lilium Blanc. Donc tout ce qui est bah, mon bac est quasi vide, il me reste plus que quelques sprays et une bougie. Mais ce qui est fondant, brûleur, spray parfumé et bougie parfumé, et eh bien tout ça, ça sera de retour en stock avec en supplément des nouveaux parfums. Comme je n'ai pas clôturé le vlog hier, je viens le faire de suite. J'espère réellement que ce vlog vous a plu. Je suis trop contente de vous avoir montré la maison. J'espère que vous êtes aussi contente que moi de l'avoir vu. Et bon, on y retourne, on va y retourner pratiquement tous les jours, hein, du moins quand les peintres y seront. Donc vous aurez l'occasion de la revoir. On va voir les cheminements au fur et à mesure. Mais c'est vrai, de toute façon, avant les peintures, mis à part moi, mon coin photo, on va pas pouvoir faire grand chose. En tout cas, on verra ça. Hyper excitant déjà d'avoir la maison, c'est déjà super super cool. On va certainement commencer en tout cas tout ce qui est le fait d'aller... Bah je retourne peut-être, donc là on est mardi, à Leroy Merlin aujourd'hui pour voir, pour faire un îlot, tout ça. Maintenant que je peux retourner à la maison, pour les couleurs, je vois exactement. Donc peut-être pour l'îlot de cuisine, voir. Pareil pour le meuble de salle de bain, ça c'est des choses qu'on va pouvoir commencer avant. Surtout qu'il y a peut-être un délai. Comme c'est fait sur mesure, dans la mesure où on choisit le matériau, la taille, tout ça. Donc voilà. En tout cas, je vais clôturer ce vlog ici. Si il vous a plu, comme d'habitude, pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous, activez la petite cloche. Rejoignez-moi également sur Instagram. Et sur ce, on se dit à demain pour le prochain daily vlog. Bye bye.